nous revoilà aujourd'hui un peu mouillés par cette pluie battante, parce que nous allons vous parler de l'arche de Noé. De Noé, Noé. Aujourd'hui on est en mode bateau, oula, ça bouge. Ça bouge, c'est ouh, pas ça grave. Tend. Ah ouais, ça bouge beaucoup. Et voilà, ils ont pris les éléphants deux par deux. Voilà, Ah non, parle pas de nous. Non, pas toi. Ah, c'était pas une illusion. Alors, mais écoute, tu regardes la caméra, tu dis, ils ont pris. Non, je sais pas. Ah. Donc non. Non, par contre, ils ont oublié la licorne. On n'a toujours pas vu de licorne depuis. Ben, tu sais, c'était pas assez Mesoudar le départ. Ils l'ont fait un peu... Ah, on a vu ça la semaine dernière. C'était pas évident, c'était pas évident. Eh ben, alors, écoute, cette paracha, tout le monde sait. Presque tout le monde. Bon, enfin, maintenant, tout le monde va le savoir. Parce que ouais, voilà, tout le monde va le savoir. Que Noar, on lui... c'était un tzadik, d'accord ? C'était quelqu'un de très bien, dans une génération catastrophique au point que... Si Dieu a décidé un maboul, c'est que c'était vraiment... Et quand on dit maboul, c'est vraiment... C'est-à-dire que ça va loin. Ça va loin, loin, loin. Or, Noar, lui, était un tzaddik. Et pourtant, dans cette paracha, il y a une espèce de petite discussion de dire est-ce qu'il est vraiment tzaddik ou est-ce que s'il avait été à l'époque, plus tard d'Avram, etc., etc., on l'aurait dit aussi tzaddik. Autant tzaddik. Alors, ça change quoi ? Alors voilà, donc la question est-ce que quoi ? C'est pour savoir quoi ? Est-ce qu'il y a un tzaddik ? Non, mais tu veux. Est-ce que tzaddik c'est subjectif ? Non, et même, qu'est-ce que tu veux savoir ? Tu veux qu'on te dise qu'il était moins ? Allez, il est moins. C'est pas ça, le plus dur dans l'histoire, c'est que autour de toi, t'as des voisins que des ripoux. Ils sont blindés, ils gagnent de l'oseille en faisant que des magouilles. Toi, t'es au milieu et tu es cachère, tu fais un travail, tu respectes, tu fais tout ce qu'il faut. Ouais, t'es un tzaddik, c'est tout. Ça se trouve que t'es normal. Dans une autre génération, t'aurais été normal. Ah, entouré de gens normaux, t'aurais été normal. Mais le plus dur, c'est bien de... De tenir la route quand t'es face au mauvais. Et ça, c'est pour ça que Noar, en réalité, la Torah, elle vient pas te dire. Elle veut pas mettre... Elle veut pas faire un... Le diminuer. Oui, elle veut pas faire une espèce de top 10 des meilleurs tzadikim. Okay. Elle te dit, Noar, peut-être que... Tu vas penser de Noar qu'il n'est pas au niveau d'Avram, etc. Mais Noar, il est dans une génération, comme tu dis, où terrible. Ce qui se passait, ça aurait fait tomber n'importe qui. Exactement. Et la force de Noar, et donc la force que nous, on a, c'est d'être capable d'être un Noar. C'est-à-dire d'être capable, dans un environnement qui n'est pas forcément bon, de garder la teva, de se protéger et de rester avec des valeurs et un bon sens de la vie. Et ça, ce koach-là, c'est dans cette paracha qu'on apprend. Eh bien, je peux te dire que les jeunes, ils l'ont. Voilà, de rester... Mais ils l'ont, pour de bon, ils l'ont. Je vois, ils ont des bases, ils ont des parents qui leur ont donné des valeurs. Alors, ils partent, ils se lâchent, ils vont dans les écoles, ils vont partout. Ils sont face à des choses qui ne sont pas équivalentes aux valeurs de leurs parents. Ils tiennent la barre. Bravo. Bravo, la barre de l'arche. C'est beau. Alors, à la semaine prochaine. Et si Dieu veut, finis le bateau, quoi. Ah ouais, on descend, j'en peux plus.